Nous allons lire un extrait. You read an extract du livre du frère Zach. From the book of brother Zach. La pratique de l'intercession. Practice of intercession. Nous allons lire un extrait. You read an extract du chapitre 28. Of chapter 28. L'intercesseur et le renversement des principautés et des puissances. The intercessor and the throw of principalities and powers. Les intercesseurs doivent identifier les différentes dominations et autorités. Intercessors must identify different dominations and authorities. À travers l'intercession. Through intercession. Et les renverser. And to overthrow them. Comme nous l'avons vu, as we saw it, ce ne sont pas toutes les principautés et les puissances qui ont la même autorité et puissance. All the principalities do not have the same power and authority. La principauté qui est chargée d'un continent, the authority in charge of a continent, est indubitablement plus difficile à renverser. Is indeed more difficult to overthrow. Que celle qui est chargée d'un pays ou d'une ville. More than the one which is in charge of a town or a city. N'importe quel intercesseur peut prier généralement pour le renversement de n'importe quelle principauté. Not all intercessors can pray to overthrow all the principalities. De cette manière, from that way, il sera en train d'apporter sa propre contribution à une bataille qui engage plusieurs guerriers. In this way, he's going to bring his contribution to a battle which needs more warriors. Cependant, therefore, pour qu'un croyant se concentre principalement sur une principauté et vise son renversement, for a believer to get concentrated on a principality and see his overthrow, il doit peser soigneusement les choses. He must carefully weigh things. Il doit se poser certaines questions telles que. He must ask himself some questions such as. 1. 1. Est-ce que j'ai devant Dieu une position qui poussera cette principauté à obéir à mon commandement pour son renversement? Am I before God a position that can allow me to command this principality to obey to my commands? Est-ce que j'ai l'expérience dans le renversement d'une petite principauté? Do you have experience in the throw of a small principality? Ne suis-je pas en train d'agir par orgueil pour aller contre les esprits méchants qui sont plus forts que ma profondeur dans le Seigneur et de mon autorité spirituelle? Am I not working through pride against any spirit or any principality which is stronger than I, according to my deep and my maturity in Christ? Est-ce que j'ai l'expérience de la prière qu'il faudra pour combattre jusqu'à ce que la victoire soit remportée? Do you have experience in prayer to fight until I have victory? Est-ce que j'ai un nombre suffisant grand de couvriers capables qui peuvent aller contre un esprit aussi puissant et maintenir le terrain de victoire pendant des jours, des semaines, des mois et peut-être des années? Am I sufficient co-workers they can even to maintain the victory over week, days, month, year, and even for many times? Est-ce que je possède ce qu'il faut pour piller la maison de l'homme fort après qu'il aura été lié? Do I have the experience to take things from the house of a strong man after he has been overthrown or bound? Le Seigneur m'y a-t-il appelé spécialement? Ou bien me suis-je invité moi-même?
Did the Lord call me special or I invited myself? Suis-je prêt à laisser de côté au besoin tous les autres aspects de mon ministère pour me concentrer sur le combat contre cette principauté? Am I ready, if need be, put aside all the aspects of my ministry and get concentrated on this battle? Jusqu'à ce qu'elle soit renversée. Until it is overthrown. Même si cela exige que j'y œuvre pendant 10, 15, 20 heures par jour. Even if it takes me to act for 10, 15, 20 hours per day. Pour les 10 prochaines années. For the 10 years to come. Une confrontation honnête de ces questions et la prière à Dieu guideront l'intercesseur et à demeurer au centre de la volonté de Dieu en ce qui concerne le renversement des principautés et puissances. An honest confrontation of this question regards the intercessor to dwell within the will of the gods au as début, far as referring the principalities is concerned. Un débutant commencera à une petite échelle. A beginner will start at a small scale. Probablement en œuvrant pour renverser la principauté ou la puissance qui contrôle sa vie. You act at his level, prepare to overthrow the principality or the power which controls his life. Ensuite, la vie d'une autre personne. Then life of another person. Ensuite, peut-être sa ville. Then maybe his town. Ensuite, sa tribu. Then his tribe. Etc. Etc. Pendant qu'il paie le prix et grandit en maturité. Why has he paid the price and grow in maturity? Dans le combat spirituel. In spiritual warfare. Dieu pourra l'appeler à de grandes batailles. God can call him to great battles. Les débutants peuvent devenir les partenaires des intercesseurs plus avancés. Business can become partners of intercessors who are aged. Pour le renversement d'une puissance, d'une puissante principauté. For the throw of a mighty principality. Et grandir de cette manière. And grow in that way. Dieu appelle des gens à renverser des principautés particulières. God called men to overthrow particular principalities. Il leur donne des instructions claires. He gave them clear instructions. Ensuite, then, les envoie. Send them. Ils partent. They go. Alors, then, reste dans les limites de l'appel de Dieu. And remain in the limit of the call of God. Dans leur vie. In their life. Pour renverser une principauté spécifique. To overthrow a specific principality. Ou des principautés spécifiques. Or specific principalities. Il reste à cet âge jusqu'à ce que la victoire soit remportée. They remain to that work until the victory is received. De tels guerriers peuvent être conduits par le Seigneur à inviter d'autres à les joindre dans la bataille. Such warriors can call others to join them in that battle. Ou bien, le Seigneur peut les conduire à combattre seuls. Or the Lord can call them to fight alone. Il pourra les conduire à raconter l'histoire de leur appel et de leur conflit. Ou bien, il pourra les appeler à garder un silence total. The Lord can call them to tell their story or even to remain in a total silence. Permettant que l'affaire demeure entre le Seigneur et eux seuls. And leaving the matter to be between them and God alone. L'appel variera et les exigences varieront. Mais toute personne qui est appelée recevra des instructions claires. The call can vary and the matter can vary. But any person who is called. Du commandant en chef. For the commander-in-chief, the commander-in-chief. Et il obéira. And he will obey. Amen. Amen. Le frère Zach avait reçu du Seigneur de renverser
les princes sataniques. Brother Zach received from the Lord to overthrow satanic principalities, princes. Et il explique ici que ça demande un certain travail personnel. Is reminding that he requests from you a personal work over your pour life. Pour avoir l'autorité qu'il faut pour remporter une victoire et la conserver. To have the authority that you need to overcome, to have a victory and keep that victory. Et qu'il est même bon de commencer par sa propre vie. It is even good to start from your own life. Sa ville, peut-être your une town, autre personne. Maybe another person. C'est-à-dire ta vie, la vie d'une autre personne. It means your life, ta tribu, town, your tribe, ta ville, your town. Alléluia. Et il a dit and said, que Dieu appelle certaines personnes that God calls some people à renverser des principautés particulières, spécifiques. To overthrow some specific principalities, particular principalities. Ce que Dieu nous a confié. What God has granted us, c'est comment renverser les principautés personnelles et familiales. Is it how to overthrow personal and family principalities? Et il dit quand Dieu t'appelle de cette manière, he said, when God call you in that way, il te donne des instructions. He gives you instructions. C'est-à-dire tu sais ce qu'il faut faire. You know what to do. Et ce que Dieu nous a donné comme instruction. And what God has given us as instructions, c'est que il y a les principautés personnelles. That you have personal principalities. C'est-à-dire des esprits qui te dirigent, qui t'influencent directement. The spirit that guide you, that lead you, that influences you directly. Et il y a des esprits, des principautés qui influencent toute une famille. And there are some spirits and principalities that influence all a whole family. Au sens large du terme. Is it large, in the large extent? Et il nous a dit, and he told us, pour renverser les principautés personnelles, to overthrow personal principalities, il faut que chacun renverse les idoles de son cœur, les idoles. Each one must remove the idols from his heart, the idols of his heart. S'il y a dans ta vie, if you have in your life, un péché qui n'est jamais parti, a sin which is never gone, il faut faire attention. Be careful. C'est ça que les principautés personnelles aiment. C'est comme un fauteuil pour eux. Quand il y a un péché qui n'est jamais parti, c'est là qu'elle vient s'asseoir. This word the personal principality like is like a armchair for them. When there is sin that is never gone, that they come and sit on it. Toi, tu as la colère et elle manipule ta vie à partir de ta propre colère. You get angry, but that principality manipulates your life from that anger. Le manque de pardon peut établir une principauté sur ta vie. The lack of forgiveness can establish one principality over your life. La convoitise peut établir une principauté sur ta vie. Lust can establish a principality over your life. Si tu es capable de regarder un homme et le déshabiller, c'est un danger. If you are able to see a man and to undress him, it is a danger. Si tu es capable de regarder une femme et la déshabiller, c'est ça que les principautés aiment. If you are able to look at a woman and undress her, it is a danger. This is what principality like. Ne regarde pas les péchés que tu ne commets plus. Don't look at the sins that you do no more commit. Regarde ceux qui sont restés. Look what remains. La Bible dit, la Bible says, chacun est esclave. Each man is slave de ce qui a triomphé de lui. To what triumph over him. Ce que tu as réussi à dompter, à dominer, c'est bon. What you succeeded in keeping, in dominating, mais is good. Ton danger est dans ce qui est resté, ce but qui a dominé, ce qui t'a vaincu. But the danger remains in what reigns over you, what overcomes you. Ne te réjouis pas d'avoir quelque chose que tu n'as jamais réussi à abandonner. Don't be joyful in something that you have never been able to abandon. Ne dis pas, Seigneur, me comprends, Seigneur, tu me comprends. Il te comprend, mais tu as donné un fauteuil à une principauté. Il te comprend, mais est-ce qu'il doit te forcer de l'aimer? Don't say, Lord, you understand me, you understand me. He understands you well, but you have given an armchair to a principality to reign. He understands you, but you have given him an armchair.
Il y a des témoignages que j'ai enregistrés dans mon esprit qui sont comme des livres. That's a testimony that I bear my mind as books. Il y a une sœur, pour la plupart d'entre nous la connaissent, la sœur Gisèle. The sister that we all know, most of us don't know her, sister Gisèle. Elle a connu des grandes difficultés dans la vie. She went through great difficulties in life. Rien ne marchait. Nothing was working well. Mais par la grâce de Dieu, elle a obtenu une maîtrise en criminologie. She had a master degree in law or criminology. Elle a tenté de se marier, elle a forcé une vie de foyer. Après 4 ans ou 3 ans, elle a abandonné. She tried to get married. She tried to find a family. After 4 or 5 years, she abandoned it. Le gens qui s'en va s'asseoir quelque part que vraiment il faut que on me marie. Après il y a rien. Now she went see somewhere like get married to me, but after that there's nothing. Elle a cherché un emploi, zéro. She sought for a job, nothing. Elle rêvait les oppressions, elle mange en son, les maris de nuit. She was dreaming oppression. She was night my husband night and she was eating dream. Et ses malheurs venaient même d'un mari de nuit. And a danger, a misfortune was coming from a nightmare husband. Elle disait que si elle est dans un projet, he said if she started a project, si le mari de nuit la visite, if she is visited by that husband the night, est-ce que c'est tombé, c'est fini, il n'y aura rien. She knew that the project has failed, it's finished. She will not get anything. Quand elle a cru, when she believed, elle a fait la repentance. She went through repentance. On a fait son brisement de liens. She had her ties broken. Beaucoup de choses, manger, les couches de nuit, tout ça là, ça s'est calmé. Many things disappear. Eating, dream, sleeping with a man, all the things disappear. Elle voyait toujours ce monsieur là. But she had always seen that man. Ce démon. That demon. Elle est venue m'expliquer que on a fait mon brisement de liens, les choses ne changent pas. J'ai demander qu'on fasse un autre. She came explain that I went through the breaking of evil ties, my things are not working. I asked her to go through another breaking of evil ties. Elle dit qu'elle rêvait toujours qu'elle est dans une maison hermétiquement fermée avec quelqu'un à la porte pour garder. She says she'll be dreaming being in a house which is well closed with somebody at the door to keep that door. Elle avait toujours rêvé comme ça. She had always dreaming like that. Alors, quand elle est venue me voir, when she came to see me, j'avais demandé qu'on organise un brisement de lien que j'allais diriger moi-même. I asked that she should organize the break of evil ties that I myself going to lead. Ça devait être le troisième. It might be the third one. On a fait le brisement de lien. She went through the break of evil ties again. Dans un songe. D'une dream, juste après, just after that, elle se retrouve pour la première fois hors de cette prison. She found herself for the first time out of that prison. Et elle marchait en plein air, libre. And she was walking in the air, in the space, free. Et quelqu'un venait devant elle. And somebody came before her, in front of her. La personne dit attention, hey, attention. They said, pay attention. Quand elle se retourne, when she turned back, c'est le mari de nuit. It is the man, the husband spirit, là, that demon. Qui l'a attrapé, l'a saisi. We grabbed her and seized her seriously. Elle dit qu'elle était impuissante. She said she was powerless. Et l'a ramené dans la prison. And he sent her back into the prison. Elle était abattue, découragée. She was afflicted, discouraged. Elle n'a dit à personne. She didn't tell it to anyone. Si le leader fait le brisement des liens, if the breaking of your ties is done by the leader, et que le démon revient t'attraper, ramener dans la prison. And the demon comes and grabs you and puts you in prison again. Elle n'a dit à personne. She didn't tell it to anybody. Pendant la crise post-électorale, the post-electoral crisis, où chacun cherchait un refuge dans une famille,
where everybody was looking for a shelter in a family. Elle s'est retrouvée chez son cousin. She found herself in the house of a cousin. Là-bas, over there, le cousin l'a copieusement insulté. A cousin insulted her well. Un bouddhiste. A Buddhist practitioner. Il dit, tu regardes moi. He said, look at that girl. Pauvre, tu n'as rien. Poor, you have nothing. C'est moi qui fais tout. Am I the one doing everything? Jésus, Jésus, Jésus. Jesus, Jesus, Jesus. Et il lui a dit, emprunte ce couloir. Si tu vois une boutique appartenant à un chrétien, tu viens me montrer. He said, take that corner. If you see a shop belonging to a Christian, come and tell me. Et elle a piqué une crise de colère. And she became very angry. C'est elle qui me dit après, elle me dit qu'elle a, elle tremblait de colère. She was trembling of anger. Elle dit qu'elle elle s'est mise en colère pendant 3 jours. And then she kept that anger for 3 days. Elle tremblait de colère. She was trembling out of anger. Au troisième jour, elle était dans la douche. At the third day, she was in the bathroom. Dieu lui a parlé. God spoke to her. Que tu vois, tu n'as jamais renversé la colère, c'est ton idole. Ton problème, c'est la colère. He said, you have never overthrown anger. Your problem is anger. Elle n'a dit à personne. She didn't tell it to anybody. Elle a pris un jeûne de 3 jours complet. She went through a 3 complete fasting day. Pour mettre fin à la colère dans sa vie. To end anger in her life. Au deuxième jour. At the second day. Elle rêve que quelque chose est en train de casser la prison à partir de la grande dalle. She dreamed that somebody was breaking the prison from up. Elle réalise que c'était un gros éléphant. It was a big elephant. Cassé, ça dit cassé même. It was broken. Elle dit qu'elle sortait des décombres. She was coming out of dumb. Et puis quand elle est sortie, and when she came out, il y avait les barbelés. There were iron fence. Et quelqu'un l'a aidé à sortir. Elle est sortie de là. And somebody helped her to jump, and she came out of that Bible, that place. C'est ça qu'on appelle renversement des principautés. Which is called overthrowing principalities. Personnel. J'ajoute personnel. I add personal. Renversement d'une principauté personnelle. Overthrow. Personal principality. Tu ne t'occupes pas de la principauté. Ce n'est pas une lutte charnelle. Je te charge, je te détruis. Et tu identifies les choses qui sont restées, tu les détruis et Dieu va s'occuper de lui. You do not fight against the principality. You say, I kill you. You identify the idol that remains, you remove it and God, you take care of the principality. C'est pour ça que le frère dit, il faut te poser certaines questions. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ce n'est pas une grande chose qu'on te demande. On te dit, il y a des fauteuils qui sont dans ta maison. C'est ça que le démon là aime s'asseoir. C'est là même qu'il est à l'aise. Enlève ces fauteuils là, il ne reviendra plus. This is why the brother said, ask yourself some question. Do you have the capacity to do it? It means there are some sins, some amateurs that are in your life. Remove that armchair. This is the place where the principality come and sit down. Remove it and it will go. Les jours qui suivaient. The following days. Est-ce qu'elle est là? Is she present? Dis-lui que le pasteur l'a cherchée. Tell her that the pastor look for her. Les jours qui suivaient. The following days. On l'appelle pour un entretien. She was called for an interview. C'était, je crois, mardi. Le même démon vient dans la nuit. Tu vois, I think Tuesday, the same demon came in the life. Fatigué. Tired. Il n'a pas pu la toucher. He couldn't touch her. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Elle a eu peur. She was afraid. Dieu lui a dit, mais tu as peur pourquoi? Est-ce qu'il t'a touché? God told her, why are you afraid? Did he touch you? Elle est partie à l'entretien. She went for the interview. 30 minutes après. 30 minutes later. On l'appelle, on dit que tu es retenu. She was called. She said, you succeeded.
Hallelujah. Hallelujah. 1 mois environ après. 1 month later, un jeune homme, le gars est intelligent. A mighty man, intelligent. Et lui, il a vu une sœur. He said he has seen a sister. He saw a sister. Cette sœur, c'est qui? C'est Gisèle. Who is that sister? That sister is Gisèle. C'est ça qu'on appelle renversement de principautés. This is what we call overthrow of principalities. Ils sont mariés aujourd'hui. Elle est heureuse. They are married now. She's happy. C'est après ça qu'elle me rend donc témoignage. It's after that she testified to me. Frère, ne luttons pas comme les aveugles. Brother, don't fight like blind men. Dieu nous a révélé que pour renverser les principautés personnelles, il faut déraciner les idoles personnelles. God revealed to us that to overthrow the personal principality, I remove the principal idols from your life. Ne te réjouis pas, mon problème c'est la colère, mon problème c'est la jalousie. Attention, c'est ça que le démon cherche pour résister. Don't rejoice, my problem is anger, my problem is jealousy. Be careful, this is what the demon looks to remain your life. Si tu décides, if you decide, d'une manière radicale, in a radical way, que ce péché-ci, that sin, même si je meurs, even I should die, je ne commets plus ça. I will no more commit it. C'est ça qu'on appelle déraciner une idole de son cœur. This is called uprooting an idol from one's own heart. Si tu raisonnes, if you reason, si tu te donnes des excuses, if you give you some excuses, tu ne seras pas délivré. You will not be delivered. Tu peux demander aux gens de te supporter. Ils vont te supporter. You can ask Mais people. La loi spirituelle veut que tu quittes ce péché-là pour que ta bénédiction soit totale. You can ask men to bear with you. They will bear with you. But the law wants you to leave that sin for your victory to be total. Quelqu'un lise pour nous 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 15. Someone to read for us 1 Samuel chapter 14, verse 14 to 15. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Amen. Saül était un homme jaloux. Méchant. Saul was a jealous, wicked man. Contre David. Against David. Et il poursuivait même David pour assassiner, pour tuer. He was run after David to kill him. Et il était spécialiste de fausse repentance. And he was special of false repentance. Il dit à David, c'est fini, maintenant c'est fini. Je ne veux plus te poursuivre. He said, David, to finish. I'm not going to follow to pursue Après anymore. Après quelques temps, il reprend encore sa lance. Il se met à le poursuivre. After some time, he started again, pursuing David again. Et Dieu a enlevé son esprit. And God removed his spirit. Et Dieu a permis qu'un mauvais esprit le tourmente. And God allowed an evil spirit to trouble him. C'est pour ça qu'on dit le mauvais esprit venant de l'Éternel. This is what he said, the evil spirit coming from the Lord. Ça ne veut pas dire que il y a des mauvais esprits au ciel que Dieu envoie sur la terre. Non, ça veut dire que Dieu a laissé un démon le tourmenter. It does not mean that the evil spirit in the heaven that God brings. It means that God leaves the evil spirit to trouble him. Et c'est ça le principe. This is the principle. L'esprit qui prend contrôle. The spirit that takes control. C'est cet esprit-là qui va te tourmenter toute ta vie. It's that spirit that's going to trouble for your whole life. Donc pour une bonne délivrance. So for a good deliverance, il faut examiner soigneusement ses intentions, ses mobiles, ses motifs, sa pensée, ses désirs. Examine carefully your motives, your intention, your desire, your thoughts, tes projets,
your projects. Tes projets. Même ton ministère. Even your ministry. Parce que quelqu'un peut devenir orgueilleux dans son ministère. Because when somebody can become proud with his ministry. Le diable lui cherche seulement l'ouverture. The devil is looking for a way. Tu es orgueilleux, arrogant, tu tombes sous son jugement. You are proud, arrogant, you fall under his judgment. Les jeunes pasteurs doivent être très gentils, calmes. Ils doivent se maîtriser. Young pastor must be kind, calm. They must have self-control. Avant de réprimander quelqu'un, tu vérifies où ça vient. Before be rebuking someone, ask yourself, where does it come from? Tu peux tomber sous le jugement. Même dans les choses spirituelles. You can even fall under judgment, even in spiritual matters. Les gens qui ont l'argent et qui ne paient pas les dettes, ça c'est un grand piège. People who have money and do not pay their debts, this is a big trap. Quand tu lis très bien la Bible, when you read carefully the Bible, tu vas remarquer qu'il n'est pas interdit de prêter l'argent à un frère ou à quelqu'un. It's not prohibited to lend money to a brother. Mais, but, si quelqu'un n'a pas de ressources, if somebody does not have money, et il se lève, and he stands up, il dit à quelqu'un que prête-moi l'argent. He asks somebody, loans me money. Je veux rembourser. Are you reimbursed? C'est déjà le mensonge. Il n'a rien. It is a lie. It doesn't have anything. Il devrait demander le monde l'aide. Point. He should ask for help. That is all. Et si tu as 100 francs, tu lui donnes, il rend grâce à Dieu. And if you have 100 francs, give it to me and you give thanks to God. Si quelqu'un a un revenu stable, if somebody has a stable revenue, et qui a un petit désordre, and there was a small disorder, et il te dit, donne-moi 10 000, tu auras ça mardi. And give me 10,000 francs if you tu have it Tuesday. He gives me 10,000. Mardi, il te ramène ton argent. Tuesday, he brings you back your money. Dieu est même glorifié. God is even glorified. Parce qu'il est écrit. Because it's written. Le méchant emprunte. The wicked borrows. Mais il ne rembourse pas. But he does not reimburse. C'est parce qu'il ne rembourse pas que ça devient grave. It's because he does not reimburse that it becomes serious. Ce n'est pas parce qu'il a emprunté. It's not because he borrows. Et puis, si quelqu'un emprunte. And if somebody borrows, si tu vois qu'il est dépassé, tu annules. If you see that is overburdened, you cancel it. La sœur Colette et moi, on a déjà annulé les dettes de beaucoup de personnes. On annule. Sister Colette and I have canceled debt of many people. We cancel it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et on annule même des fortes sommes, pas 100 francs, pas 1000 francs, on annule. Even a great amount, not 100 francs CFI. C'est ça qui est la sainteté. This is holiness. Quelqu'un qui est sale, très sale, c'est une porte ouverte pour une principauté. The one is dirty, dirty is a door open to principality. Le diable se rassure seulement que quelque part, il y a une principauté qu'elle passe par la colère, la jalousie, l'adultère, la fornication, la masturbation. C'est très dangereux. They don't make sure that there's a door, a principality somewhere. It must go through the masturbation, adultery, anger. Masturbation is very dangerous. Tolérer la masturbation et rechercher la délivrance et s'amuser même. Tolerating masturbation and seek for deliverance is to play. J'ai dit à une sœur qui chitait, ce qu'on dit chitait le tabac, elle met la poudre de tabac dans la bouche. À toi les sisters. Je lui ai dit, ne mets plus. Si tu trembles pour mourir, tu meurs. Et on va danser que quelqu'un a refusé de mettre le tabac et il est mort. Tu vas au ciel. I asked to the sister that I'll be using tobacco powder. I said, don't put it anymore in your mouth. Even you tremble and make sure that you die. You say that she said died because she refused to put the tobacco powder in her mouth. And we rejoice. Tremble et tremble, mais ne pêche pas. But don't sin. Et je te dis la vérité, tu ne vas pas mourir. I'm telling the truth, you will not die. Tu vas trembler, tu vas transpirer, le démon va s'en aller.
You tremble, you sweep, but the devil will leave you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Il faut bien traiter les idoles personnelles. Treat well personal idols. Le Seigneur a dit à la sœur, voilà ton problème, la colère. Et les gens n'ont pas les oreilles pour écouter. Les gens peuvent te regarder, tu parles. Ils te regardent, mais ils n'entendent pas. The Lord told us, he said, this is your problem. And people listen. They are here to listen, but they do not understand. On peut dire à quelqu'un, le renversement d'une principauté personnelle exige le déracinement des idoles personnelles. Ça sort, ça entre là, ça sort. Et la personne ne saisit rien. You can tell a person, the third person by presenting needs you to overthrow the idol. The person can hear here and it comes out here. She doesn't understand anything. Tous ceux qui ont renversé les idoles personnelles d'une manière divine ont obtenu des délivrances inédites. All those who remove a personal idol from it, a good way to receive a divine deliverance. Et Dieu leur a même accordé de vivre leur délivrance, même en vision. And God allowed them to live their deliverance even in visions. C'est pour cette raison que, dans une certaine mesure, une repentance radicale dès le premier jour peut résoudre ce problème-là. This is the reason why a genuine repentance during the first day can solve this problem. Avec restitution, tout, tout, tout. With restitution, everything, everything. Alléluia. Alléluia. La sœur, Dieu lui a dit, ton problème c'est la colère. God told the sister, your problem is anger. Pour toi c'est quoi? What is yours? Tu te mets à genoux. You kneel down. You kneel down. Sincèrement, tu mets fin. Sincèrement, you put an end. Il y a des mots bon, déraciner, tout ça. Quand tu déraciner l'idole, renverser. C'est les mêmes mots. Remove, uproot, it is the same word. They are the same words. L'idée d'enracinement. The idea of being rooted. L'idée de déraciner renvoie à l'idée que c'est profond, c'est en toi. Il faut tirer ça. The idea of uprooting means that it is profound, it is deep inside in you. You need to take it up. Il faut pas couper, faut tirer la racine. Do not cut it, you need to take it at the roots. Parce que les péchés ont des racines. Because sins have roots. Les péchés ont des racines. Sins have roots. C'est pour cette raison que je conseille aux frères de lire le livre Le chemin du caractère chrétien. This is the reason why I've been advising brother to read the book of the Christian character. Parce que le frère Jacques a regroupé les péchés selon certaines racines. Because brother Jacques gathered sins according to some roots. Il n'a pas fini, mais ce qu'il a fait est un boulevard qu'on peut emprunter. He didn't finish, but what he did is a highway that you can walk on it. Il dit que quand quelqu'un a, par exemple, l'amertume, is that when somebody have bitterness? Ça va entraîner beaucoup de péchés, la colère, l'irritation, tout ça. Donc, quand tu déracines l'amertume, tu peux être délivré même de 20, 30, 40 péchés. When somebody has bitterness, it leads to irritation, anger. If you remove bitterness, it will have to lead to remove 20 sins. L'orgueil. Proud. Peut te faire mentir, voler, faire beaucoup, tuer même. Tu dis quoi? Les gens vont savoir, tu tues quelqu'un. Comme il a ce secret-là, tu l'élimines. Can make you lie, steal, even kill someone. You say, what? They are going to know all the secrets and you kill that person. Tu ne veux pas être humilié. You don't want to be humiliated. Tu peux voler parce que tu es orgueilleux. Tu voles. You can steal because you are proud. Still. Tu ramasses la chemise de ton ami, tu mets sur toi, tu fais comme si c'est ta chemise. You take c'est le vol, mais à la base, à la racine, c'est l'orgueil.
It is sin, but here the root it is proud. Il y a des vols de sous-vêtements, des vols de même dans les hôpitaux. Fell of underwear, even in the hospitals. Une femme qui n'a pas d'enfant qui a le moins peut aller voler un bébé. A woman who does not have a baby because of pride, because of self, can go and steal a baby. Quand on est brisé, on rend grâce à Dieu, on attend dans le repos. When we are broken, we give face to God and you wait quietly. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Traitons sérieusement. Let's treat seriously. Les idoles qui sont dans le cœur. Idols that are hidden into our hearts. Les choses qui ont pris la place de Dieu. Things that took the place of God. Les bonnes choses qui ont pris la place de Dieu. Good things that took the place of God. Les mauvaises choses qui ont pris la place de Dieu. Bad things that took the place of God. C'est ça qu'on appelle idole. This is called idol. Il faut mener une guerre personnelle contre tes propres idoles. You need to engage a personal war against your own idols. Et le Seigneur te donnera la victoire sur la principauté qui tirait profit de cette idole-là. And the Lord will give you victory over the principality that was taking profit from that idol. Maintenant. Now. Si tu veux évoluer pour t'occuper de la famille. Now if you want to go forward to take care of the family. L'instruction que Dieu nous a donnée. The instruction that God gave us. C'est que. Is that. Il faut s'identifier à sa famille. Identify yourself to your family. Et entrer dans une intercession suppliante. And enter into a intercession beseeching with God. Parce que quand une famille s'est livrée à l'idolâtrie. Because when a family makes worship idols, elle est sous la malédiction du Père créateur des cieux et de la terre. She's under the curse of the Father creator of earth and heaven. Dieu m'a dit un jour, enseigne à mes enfants à me craindre, moi Dieu. God told me one day, teach my children to fear me, I God. Beaucoup ont peur du diable. Many people are afraid of the devil. Il y a des gens qui vivent dans la sainteté parce que ils se disent que s'ils pêchent, le diable va les attaquer. Some people are living in holiness because they say if they sin, the devil will attack them. On vit la sainteté par amour suprême pour Dieu. We live in holiness through supreme love for God. C'est pas parce que le diable existe. It's not because the devil exists. Les anges. Angels aiment Dieu. Love God. Pas par rapport à Satan. Not because of Satan. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. This is what God wants us to be. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Like he is, like we are in this world. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. We love him because he loved us the first. Pas parce qu'il chasse le démon. Not because he casts out the demon. Parce qu'il nous a aimé. Because he loved us. Et nous aussi nous l'aimons. We also love him. Et l'amour parfait bannit la crainte. And perfect love banishes fear. Parce que la crainte suppose un châtiment. Because fear means that there is a chastisement. Donc quand les gens se sont livrés à l'idolâtrie, comme nous savons bien, our family worship idols. Nous-mêmes, nous avons même commencé aussi. We also started also. Nous les avons trouvés dans l'idolâtrie. We found them in worshiping idols. Nous nous sommes engagés aussi dans l'idolâtrie. We also engaged ourselves in worshiping idols. Certains sont même allés plus loin. Some even go further. Il y en a qui ont ajouté les sectes universelles. Some even added universal sects. Ils sont entrés dans les Rose Croix, les francs-maçonneries, bon, les francs-maçons, Rose-Croix et Kanka, they are inside all of those sects. Ils ont dévancé même l'idolâtrie traditionnelle. They even go further than the traditional idols worshiping. Et le jugement de Dieu. And the judgment of God. Qui déclare que tous ceux qui font de telles choses sont maudits et tombés sur nous. We declare that all those who do those things are cursed, fall upon them. Et l'instruction que nous avons reçue est la suivante. And the instruction we receive is as follows.
Pour que le croyant soit béni pleinement dans la maison de Dieu, for the believer to be fully blessed in the house of God, il faut qu'il intercède. He must intercede. Pour que le Seigneur retire la malédiction que Dieu a envoyée contre la famille. Is that for that God you remove the curse that God himself sent it against the family. Ce n'est pas le diable qui a maudit. It's not the devil who cursed. C'est Dieu qui a dit il n'y aura point de paix pour le méchant. It's God who said no peace for the wicked. Le monde peut organiser tous les sommets. The world can gather all the summits. Il n'y aura pas la paix dans le monde. You don't have peace in the world. Ceux qui connaissent la parole de Dieu savent ça. Those who know the word of God knows it. C'est pour cette raison qu'il y a un chant qui dit ami, ami, venez voir. Jésus-Christ qui nous donne la vie. Avec sa force, l'homme vous lui impose la paix. Pourtant, Jésus-Christ est le seul qui nous donne la paix. But Jesus Christ is the only ça, one who gives us peace. Il faut chanter tous les jours. This is a song that we can sing every day. Sommet, colloque, c'est tout ça. Colloquium, summit. La paix. Say peace, peace. Pendant peace. Qu'on parle de paix ici, à côté, c'est boom, 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 boom. While we are talking about peace here, you can hear around boom, boom. Dieu a dit pas de paix pour le méchant. God said no peace for the wicked. Donc, si toi tu as cru, so if you believed, tu peux t'identifier. S'identifier, c'est. You can identify yourself. Identify himself means être un avec tes parents. He said, become one with your parents. Et prier sachant que and pray knowing that toi-même tu es jugé. Yourself you are judged. Parce que la loi de Dieu dit because the law of God says que quand Dieu punit un péché, when God punishes a sin, il le punit sur quatre générations. He punishes you for four generations. Si tu connais bien ton père. If you know si what your father parler de lui, or you have heard about him. S'il a commis les péchés. If he committed sin. Si on prend ton père, toi. If you tell your father, you. Ça fait déjà deux. Two generations. Ton enfant. Your child. Ça fait trois. Three. L'enfant de ton enfant. Your great child. Maintenant, avec l'extension de ce que les quatre générations ont causé. Now with the extension that four generations have caused. Nous nous retrouvons là comme nous sommes aujourd'hui. We find ourselves here as we find ourselves here today. Mort précoce, oppression démoniaque. Premature death, oppression démoniaque. Pauvreté. Poverty. Maladie inexplicable. Inexplicable diseases. Et le sorcier te dit, viens, je vais te laver. And the witch tells you, come, I will bath you. L'autre marabout dit, viens, viens, je vais te laver. Viens à minuit, tu viens nu. And then you come naked at midnight. Et les faux prophètes sont dedans tous parce que c'est les mêmes, ils ont un même père. Hein? And for the false prophets are inside, they are the same father. Yusuf m'a dit que un faux prophète lui a dit Dieu dit. And since that a false prophet told me, God said. Pour te délivrer de l'immoralité, je dois coucher avec toi. To deliver you from immorality, I must sleep with you. La jeune fille était très sérieuse. The young lady was very serious. Elle a pleuré, dit Dieu, pourquoi tu me fais ça? Elle ne savait pas que ce n'est pas Dieu. She cried, said, God, why did I do this with me? She did not know that it was not God. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. His people is destroyed because they lack knowledge. Et elle a cédé. And she yielded. Le prophète a couché avec elle. The first prophet slept with her. Le prophète est revenu un autre jour. Le prophète. The prophet came and the prophet. Il dit, Dieu dit que le démon est coriace. Je dois répéter l'expérience. The God said, the demon is very powerful. I must repeat the experience. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. It's a false prophet. Il a répété l'expérience. He repeated the experience. La petite était toujours possédée. The small girl was always possessed. Heureusement qu'elle a rencontré Jésus de Nazareth. Fortunately, she met Jesus Christ of Nazareth. Et je lui ai dit, and I told her, permets que si je prêche,
Allow me if I preach. Je rends ce témoignage. As we share this testimony. Elle a dit, si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. She said, if it is for the glory of the God, there's no problem. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, si tu écoutes ça, ça te fait mal. Because when you become a child of God, when you listen to that, it pains you. Mais elle souffre pour que les âmes soient sauvées. But she is suffering for souls to be saved. Elle m'a autorisé d'illustrer le message par ce témoignage. So I'm authorized to illustrate my preaching with a testimony. Tu t'identifies donc à tes parents. You identify yourself to your parents. Tu sais très bien que dans la loi de Dieu, tu es jugé, tu es maudit. Tu n'étais même pas là, mais ça agit sur toi par la volonté de Dieu. You know very well in the word of God, you are judged, you are cursed, you are not even present, but you are cursed because of the will of God. Dieu ne peut pas bénir le mal. God cannot bless evil. Il dit il ne prend pas le méchant pour innocent. He said he does not treat the evil as guiltless. Dieu ne peut pas faire ça. God cannot do it. Il a dit malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien mal. He said who to those call evil good. Donc tu prends une feuille ou bien un cahier, ça dépend de tes instruments de travail. So you take a paper or a copy book, it depends on your instruction of work. Tu écris tous les péchés que tu as vu ta famille commettre ou tu as entendu qu'ils ont commis. You write all the sins that you saw your family committed or you heard tu that they committed. Tu as appris qu'ils ont commis. And you heard that they committed those sins. Tu les listes, tu les écris. You write them down. You write them down. Quand tu as fini. When you finished. Et là, les péchés sont culturels. Culturel veut dire que les gens savent que tel peuple est prostitué. Les gens se racontent même ça dans les chansons. Ils parlent, cela mange beaucoup, ils sont orgueilleux. Donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas. That the sin began from your culture. You know that the sins are attached to some tribes. À un certain niveau, on sait que telle région, les gens sont idolâtres là-bas, c'est des sorciers. À un certain niveau, that this region, people over there are idol worshippers, are rich. Certains même se glorifient d'être des sorciers. Some even glorify themselves of being riches. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, quand tu as fini d'établir la liste, so when you finish establish the list, tu regardes les problèmes que vous rencontrez dans la famille. You look for the problem that you encounter in your family. Tu établis une liste claire des fléaux, des plaies, ce qu'on appelle les plaies ou les calamités. You establish a clear list of the problem, what you call plagues or calamities. Tu as donc devant toi deux listes. You have that in front of you two lists. Et tu t'établis par la foi. And you establish yourself through faith. Devant Dieu comme sacrificateur de Dieu pour ta famille. Before God, as a high priest for your family. La parole dit, Dieu il dit, je cherche parmi eux un homme. Quand il y a un peuple, une famille, une église, tout ce qui est rassemblement d'hommes. Quand il y a le désordre ou le péché, Dieu commence à chercher s'il y a parmi eux quelqu'un qui va se détacher pour prier pour tout le monde. The Bible says God looks for a man among people. When there's a gathering of people who do what is bad, God looks among them some person who will come out of that group to pray for them. Et tu commences donc à prier comme Daniel a prié. And you start praying like Daniel did. Tu dis à Dieu, voici les péchés que nous avons commis moi et mes parents. Tu cites ça devant lui. You say, God, this is the sin that my family has committed, and you cite them before God. Et tu dis à Dieu, and you tell God que tu as lu dans sa parole, that you read from his book, que ceux qui commettent ces choses là, that all those commit those things, sont sous la malédiction, are under curse. Et tu dis à Dieu. And you tell God, ta parole est vraie. J'ai vu ça moi-même. Your word is true. I saw it myself. Moi-même, je suis malade. I myself, I'm sick. Mes frères et sœurs sont malades. My sisters and brothers are sick. Nous n'avons rien à manger. We have nothing to eat. Nous avons les diplômes sans travail. We have diploma but no work. Chaque nuit, on a des cauchemars. On ne dort pas.
Every night we have nightmares. We cannot sleep. Il y a la dépression. Chaque année, quelqu'un devient fou. Chaque année, il y a un fou qui se déclenche. Il y a un fou qui commence à dérailler. Depression. Every year, one person becomes mad. Chaque depression. Chaque année. Every year. La sorcellerie. Le village est déjà dans la brousse. Les gens sont morts. Il n'y a que les herbes. Witchcraft. The village in the bush. Everybody is dead. Je dis à Dieu, je ne sais même pas ce qu'on appelle vieillard. Parce que je n'ai jamais vu un. I don't know what we call herders because I've never seen a herder. Tu dis à Dieu, oh Dieu, oh Dieu. You say, oh God. Pardonne-nous. Forgive us. Et enlève cette malédiction. And remove this curse. Pardonne-nous. Forgive us. Enlève cette malédiction. Remove that curse. Nous ne méritons pas. We do not deserve it. Mais pardonne-nous. But forgive us. Par compassion. Through compassion, par miséricorde, out of mercy, par amour, out of love, oh Dieu, par oh bonté, God, par bonté, forgive us out of pendant your que goodness. Tu intercèdes, and while you are interceding, reconnaissant devant Dieu le péché de ta famille et tes propres péchés, knowing before God the sins of your family, your sins, Dieu a promis, God promised, que si quelqu'un prie de cette manière-là, if someone prays in that way, il va exaucer. He will hear him. C'est une promesse. It's a promise. Il va exaucer. He will hear him. Quand il exauce, when he hear you, si ça demande qu'il détruise dans les montagnes, il envoie, il est l'Éternel Dieu des armées. If he demands to destroy the mountain, is the Lord of hosts. Si ça demande qu'il agisse sur toi-même, peut-être il y a un démon en toi. Tu es assis là, ils sont là, ils cachés. Si il va frapper. If he asks you to act on yourself, you are still there, a hidden demon which is there. C'est là où vous voyez certains parents venir donner les choses qu'ils avaient. La sœur Alphonsine nous a dit, sa tante est venue lui remettre sa trousse. Since Alphonsine said that, her aunt came and gave her a purse. Ils avaient volé. This had been stolen. Et elle souffrait. And she was suffering. Réceptionniste. Receptionist. Avec tous les grands diplômes, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas en Angleterre, tu reviens, tu es réceptionniste. You are the great diploma. You leave Côte d'Ivoire to go to London. We come back, we are receptionist. Quand Dieu a bombardé, when God fought, c'est Dieu qui excite son esprit de venir remettre. It's God who excites his spirit to come and give it them back. D'abord, elle-même ne savait pas qu'on a pris quelque chose, qu'on lui a pris quelque chose. Even herself just don't know that something has been taken from her. Quand Dieu t'exauce. When God hears you, il va donner des ordres à ton sujet. He will give order on your behalf. Il va dire remettez. He said, give it back. Il a dit à Laban. He told Laban, ne touche pas Jacob. Don't touch Jacob. Ne lui parle ni en mal ni en bien. Don't talk to him even in a good way or bad way. Hallelujah. Hallelujah. Tu es là comme un petit enfant. Dieu donne des ordres, ne touchez you pas. You are like a small child, and God give order. That's et remettez, restituez tout ce que vous avez volé. And restitute, give him all that you have stolen. La sœur Alphonsine dit que c'était la même semaine, je crois. Elle est passée de réceptionniste à chef de département, sans transition selon elle. Sister Alphonsine said the same week she moved from a reception to become a chief of department, no transition. Je veux dire qu'il y a des preuves que ce que Dieu nous a enseigné est vrai. I want to tell you that there are proofs that what God taught us is true. Si tu fais comme Dieu nous a enseigné, il y a des fruits. You do as God told us, you have fruit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Il y a un jeune frère, Dei Ange. There's a young brother, Dei Ange. Il est venu me voir et dit, je souffre, j'ai fait la repentance, on a fait mon brisement des liens. J'avais des oppressions, les maladies, je suis guéri, mais je n'ai rien, je dors dans une cabane. So he came to me and said, I'm suffering. I went through my repentance deliverance. I'm suffering. There's no more oppression, but I'm sleeping in a hut. Je lui dis, il m'a vu en jeu. Je lui ai dit, va faire le renversement des principautés. He saw me in jail. I said, go for the throw of principalities. Il a fini. He finished. Il n'a même pas eu de songe pendant le jeûne. He did not even have any dream during Dieu the work. Dieu lui a dit, prends un jeûne d'action de grâce. God said, fast for thanksgiving. Il a pris un jeûne d'action de grâce. He fasted for thanksgiving. Un jour, one day, sa sœur causait avec sa femme causait avec sa sœur. His aunt was chatting with his sister. À la fin, il dit ton mari fait quoi même? I've heard that how does your husband be? She said nothing. Mais il vient d'avoir son permis là. But he has his driving license. Je veux lui acheter une voiture. He said I buy him a car. La semaine qui suivait, ils ont fait le virement. The next day, they sent the money.
Alléluia. Alléluia. Avant la fin de l'année, Laura avait déjà deux taxis. Before we had around, they had two taxis. Il a dit un jour, pasteur, je déménage. He said, Pastor, I'm moving house. Je quitte la cabane. I'm leaving the hut. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Il a fait quoi? What did he do? Il a renversé les principautés personnelles et familiales. He overthrew the personal and family principalities. Et le Seigneur m'a révélé que c'est une erreur. And God told me it is a mistake. Quand les croyants sauvés, when believers were saved, abandonnent leur famille dans le péché. Forsake their family into sin. Sans une intercession violente. Without a violent intercession. Donc, la malédiction de la famille va continuer à influencer leur vie. So the curse of the family will continue to influence their life. Il y a des choses qu'ils n'auront jamais. There are certain things that you never get it. Parce que quand la malédiction est communautaire, because when the curse is for the community, Dieu ne peut pas l'enlever sur un seul individu et laisser les autres dedans. God cannot remove it from one individual and let the others inside. Parce qu'il ne fait exception de personne. Because it does not make any exception. Si tu veux le salut, if you want salvation, va devant Dieu. Go before God. Pour toi, for you, et pour toute ta famille. And for your whole family. C'est ça l'amour de Dieu. This is called love for God. Hallelujah. Donc, tu t'identifies à ta famille. So you identify yourself to your family. Parce que tu peux intercéder sans supplier. Because you can intercede without beseeching. Tu fais l'intercession suppliante. You make a beseeching intercession. C'est-à-dire tu pars sur une base de quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'il demande. C'est ça, supplier. Tu dis, je ne mérite pas sa main, je vais te parler, Seigneur, je vais te parler. Daigne m'écouter, s'il te plaît. Je vais te dire deux mots sur moi-même pour ma famille. Je ne mérite pas. Tu peux même nous enterrer maintenant parce qu'on a exagéré. Go on the basis of someone who does not deserve. Say, God, I do not deserve, but I'm pleading with you. You can even bury us, but let me tell you two words. So please hear us. Et c'est ce que Daniel a fait. And this is what Daniel did. Dieu a envoyé l'ange. And God sent an angel. Dieu ne peut pas écouter une telle prière sans exaucer. God cannot hear such a prayer and without granting your prayer. Dans mon expérience personnelle, in my personal experience, j'ai remarqué que les exaucements, I noticed that granting of prayers, que Dieu nous accorde dans le cadre des renversements des principautés, sont plus rapides que les autres exaucements dans la vie courante. That your prayers are heard here quicker than normal life. Et tout ce que vous voyez dans les visions, certaines sont des images, des préfigurations. D'autres sont des symboles. Mais ça va s'accomplir. Others have been seen in vision, as images, as symbols, as prefiguration. But others are going to be accomplished. Alléluia. Vous voyez dans la vision de Pharaon. So in the vision of Pharaoh, quand il a vu les vaches maigres, ce n'était pas qu'il y aura les vaches, mais c'était la famine. You see the tiny coward. It was not really that, but it was famine. Et les vaches grasses, and the big cows, c'était les années de prospérité. It was years of prosperity. Donc, dans les visions, on peut identifier que Dieu a donné la prospérité, Dieu a donné les mariages, Dieu a donné l'intelligence. En étudiant les visions, on sait que Dieu a béni le peuple. So, when studying the vision, God blessed the church by giving marriage, prosperity, intelligence. Et ça va s'accomplir. And it's going to be fulfilled. Ça va s'accomplir. And it will be fulfilled. Pourvu, provided, qu'on garde, comme le frère Zach écrit, qu'on ait l'autorité pour conserver tout ce que Dieu nous a envoyé. Provided that you have the authority to keep all that God has given us. Parce que si tu retournes dans la masturbation, because if you return to masturbate yourself, les maîtres vont revenir. The masters will come. On demeure dans la grâce. We dwell, you remain in grace. On demeure dans la lumière. You remain in the light. On consolide la bénédiction. We consolidate blessing. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et puis, les,
Les dons de Dieu sont parfaits. And the gift of God are perfect. Quand vous écoutez les témoignages, certains parlaient de guérison de 2017, sont toujours guéris. Ce n'est pas que ça fait deux jours, ça revient. And the gift of God are perfect. When you listen to the testimony, people who are healed since 2017 are still healed. It's not like for tu es guéri, days. Ne crains rien, ça ne va plus revenir, c'est fini. If you are healed, don't fear anything. You don't come back. Alléluia. Alléluia. Donc, tenons-nous debout. So, let's stand up. Ce soir, tonight, pas de bruit. No noise. Chacun traite ses idoles personnelles, là où tu es debout là. Each one treat his personal idols where you are standing. Affaire de muscles. C'est la volonté. It's not a matter of muscle. It is the will. C'est une affaire de décision, de décision. It's a matter of decision. Que Seigneur, je suis fatigué. C'est fini. J'arrête. Oh, say, Lord, I'm tired. Say, I will stop it. J'arrête. I stop it. Je mets fin. I put an end. Prions ensemble. Let's pray together. Sois concentré. Be concentrated. Tout ce que ton cœur condamne, all that your heart condemns, abandonne ça. Abandon it. Que personne ne te trompe. No one should deceive you. Parce qu'il y a des faux prophètes. Because there are false prophets. Quand tu veux servir Dieu dans, avec sérieux, tu vis, tu c'est la loi, c'est la loi. When you want to serve God with seriousness, you say, this is law, this is law. C'est pour ça qu'ils sont sous l'emprise des puissances des ténèbres. This is why they are under the power or the power of the darkness. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous sommes en train de nous attaquer de cette manière à tous ceux qui, tous les esprits qui ont résisté. We are dealing that way to all the spirits that resist. Parce qu'il y avait encore un terrain d'appui, de base. Because there was a basis, a land. Le combat est réel, frère. The fight is real, brother. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive. Jesus said, the prince of this world is coming. Il n'a rien à moi. He has nothing in me. Ne garde rien qui permet à l'ennemi de poser le pied pour résister. Don't leave in your life anything that can allow the enemy to step there and resist. Frère, si nous traitons bien le renversement des principautés. Brother, if you treat well the throne of principalities. Nous introduisons nos familles dans le salut. We are salut éternel. We are introducing our family in everlasting salvation. Il y a des domaines, il y a des territoires. There are domains, territories. Il y a des espaces. There are spaces qui sont contrôlés par certains esprits. Which are controlled by some spirits. Ce sont ces esprits-là qu'on appelle principautés. These spirits are called principalities. Il ne faut pas quelqu'un qui ment. Le mensonge n'est pas la principauté. Somebody who lies. Lie is not principality. Le mensonge est comme cette chaise. Lie is like that chair. La principauté s'installe bien. And the principal sits well. Sur le mensonge. S'il y a le mensonge, if it does lie, il est solide, il ne bouge pas. He's solid, does not move. Quand tu dis je te renverse, ça ne lui dit rien. Once I overthrow, it doesn't mean anything to him.
Si quelqu'un qui est musclé attrape cette chaise là, if somebody who is well built, et tire, take this chair and try, you fall. Je vais tomber devant vous là. Si quelqu'un fond, il ne me touche pas. Il prend la chaise, il l'enlève. He did not touch me. He take the chair and remove it. Je vais tomber. I fall. Cette chute là, ça on a renversé. When fall means that he has been overthrown. Quand une principauté sait que when a principality knows that, tu vas vite te repentir, il ne s'assoit pas dessus. And you don't get repented quickly. You don't sit on it. Il ne s'assoit pas. You will not sit. Il cherche ce qu'on n'a jamais touché. He looks for what has never been touched. Parce que ton cœur même, d'une manière affective, tu aimes ça. Because your heart, you love it, the affection. Isaïe disait que nos péchés sont devant nous. Ça veut dire qu'ils connaissent. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. As I have been saying, our sins are before us. You know that they know them. It's not that they don't know them. Nous les connaissons. C'est dans Isaïe 59. He said that you know them. It's in Isaiah 59. Et il dit, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Voilà la conséquence. We are waiting for deliverance, is not there. This is the consequence. Tu attends la lumière, c'est les ténèbres. You look for light and it is the darkness. Il dit, en plein jour, nous tâtonnons comme des aveugles. Pourquoi? Parce que leurs péchés sont là devant eux, ils les connaissent, ils n'ont pas décidé d'arrêter. Even in daytime, you have been walking up and down because the sins are there. There's no remove them. Et au verset 1, il dit, il commence par non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. It's a verse 1 says, no, the hand of God is not too short to save. Pourquoi? Parce que why? Beaucoup se plaignent. Les choses ne changent pas. Because people have been complaining. Je ne comprends rien. Things do not change. I don't understand anything. J'ai déjà tout fait. I've done everything. Attention. Be careful. Sois humble. Be humble. Tu n'as pas encore fait. We have not done all. Tu n'as pas encore tout fait. We have not done all yet. Il dit non. He said no. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. The hand of the Lord is not too short to save. Ni son oreille trop dure pour entendre. Nor is ear hardened to listen. Il dit ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. It is they are your sins that put a separation between you and your God. Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. It is your crime that block him and prevent him from hearing you. Et je vous dis que dans l'Ancien Testament, ça c'est une grande révélation. I'm telling you, in the Old Testament, this is a great revelation. C'est-à-dire que les prophètes qui ont révélé au peuple le vrai problème spirituel. The prophets who revealed to the people the very spiritual problem. Les gens qui ont connu une révélation divine du péché. People who knew a divine revelation of sin. Et qui ont aussi reçu une révélation divine de la voix. Pour sortir de là. Also receive the divine revelation or the way to come out of there. Isaïe fait partie de ces gens-là. Isaiah is among those people. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si nous mettons de l'ordre, if you put order, tous ceux qui rêvent là, qui disent au nom de Jésus, le démon est toujours en train de sourire. Vous allez voir ce qui va arriver. All those who dream and they say they know Jesus and the devil is smiling. You see what will happen next. Les maris de nuit là, vous allez entendre les maris de nuit dire je m'en vais. Vous verrez des témoignages, je m'en vais, sans qu'on ait même jugé. You hear a testimony that the man is spirit. You say I'm going. You hear the testimonies about it. Parce que quand on n'a pas traité la racine, because you want le mauvais esprit vient t'agiter. Dieu laisse. If you do not treat at the root side, the evil spirit come and act, you come and trouble, and God leave it. Dieu laisse pourquoi? Why did God leave it? Parce qu'il y a les idoles. Because there are idols. Les idoles sont contre qui? En réalité, c'est contre Dieu lui-même. The idols are against whom? In reality, they are against God. Nous verrons des grandes choses. We see great things. Parce que quand Dieu est glorifié, because when God is glorified, il libère le Saint-Esprit. He liberates the Holy Spirit. Il va couler comme des fleuves d'eau vive. Now you flow like a living water. Il est dit que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. He said the Holy Spirit was not given yet because Jesus has not been glorified yet. Partout où Jésus est glorifié, il libère
le Saint-Esprit. Everywhere where Jesus is glorified, the Holy Spirit is released. Et il y aura beaucoup de bénédictions. And we have many blessings. Il y aura des conversions inédites. You had an honorable conversion. Vous allez entendre un jour qu'on est parti baptiser un village. You hear that you go one day to baptize a whole village. Parce que les démons qui les tourmentaient sont enchaînés. Because demons that used to trouble them are unchained. Parce qu'il y a des gens dès qu'ils essaient de donner leur vie à Jésus, un masque vient leur dire, c'est quoi, tu veux faire quoi? Because some people want to try to give a mask and say, oh, what do you do? And they renounce. Il n'y aura aucun masque pour les effrayer dans le sommeil. There's no mask to make them be afraid. Parce qu'ils ont pris la fuite. Because they run away. Quand la terreur de Dieu entre, because when the terror of God enters, ils vont nous laisser le village. They will leave us the village. Nous aurons le temps de baptiser tout le monde. We get time to baptize everyone. Et d'aller chercher le poisson dans les eaux, des poissons qu'on n'a jamais mangé là, les totems. And to go and look for fish in the water, the totem, fish that have never been eaten. On garde seulement quelques-uns pour montrer que nous sommes sages, mais le reste on mange. We ask some people to know that you are wise, but the rest you'll be eaten. Hallelujah. On n'entendra plus que dans ce village à 18 heures, on ne pile pas le foutu. Il y aura des foutus à toutes les heures. You no more hear that in this village at 6 p.m. they don't pound yams. You say that at any time they say they pound yams everywhere. Parce que Dieu a été exalté. Because God has been praised. Parce que nous avons réussi à faire tomber les écailles. Because you succeeded and made the scales fall. Pour que les gens contemplent le vrai Dieu. For people to contemplate true God, the real God. Il y aura des couronnes éternelles. You have eternal crowns. Parce que nous aurons intercédé pour les coupables. Because we have been interceding for the guilty. Donc allons-y. So let go ahead.